Salut à toi. Je m'appelle Jean Gébert et bienvenue dans le lieu où je m'entraîne. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et de t'abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications. Avant toute chose, je voudrais te rappeler que j'ai créé spécialement pour toi une newsletter totalement offerte, hebdomadaire, qui traite de self-défense, de combat, de survie en milieu hostile, de secours au combat et aussi de préparation physique et mentale. Donc si tu souhaites recevoir cette newsletter, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description et toutes les semaines, tu recevras cette newsletter. Passons maintenant à la vidéo du jour. Donc là, il est tard, je me promène dans la rue et j'ai une personne qui me suit, je sens sa présence. Un premier coup d'œil me fait dire que la personne n'a pas l'air nette, elle me suit d'assez près. Et un deuxième coup d'œil, elle sort un couteau. À ce moment-là, sans réfléchir, je vais donner ce qu'on appelle une ruade de cheval. C'est un coup de pied très puissant ici. Là, je viens frapper au niveau du ventre ou des parties, je ne sais pas, mais en tout cas, je donne un coup de pied puissant avec le dessous du pied. La personne commence à être affectée, je lui en donne un deuxième pour être sûr, elle s'écroule. À partir de ce moment-là, il a lâché le couteau. Si le couteau est encore trop proche de l'agresseur, je l'éloigne avec le pied avant d'aller le saisir. Si l'agresseur est encore vaillant et tient le couteau, c'est pas la peine d'aller chercher. Je pars immédiatement dans la direction opposée, je m'enfuis rapidement. C'est pas la peine de prendre des risques pour aller chercher un couteau. Je ne sais pas s'il est vraiment affecté par les coups que je viens de lui donner. Merci Manu,